Bonjour à tous les amis, c'est Mac Moment. On se retrouve pour une petite vidéo changement de feu de stop arrière, donc sur une Peugeot 207. Donc voilà, vu de l'intérieur, on peut voir qu'il y a un accès directement au boulon qui permet de maintenir le feu. À savoir que dans certains cas, c'est des souvent même, c'est des papillons qu'on peut dévisser à la main, et des fois, comme ce cas-là, soit ça a été remplacé, soit c'est d'origine, ça dépend. Il faut le dévisser avec une clé de 10. Donc moi, pour avoir une facilité, je préfère légèrement le déboîter, voilà, et le dévisser de là directement. Une fois notre boulon démonté, on vient tout simplement tirer sur le feu. Très simplement, il n'y a pas besoin d'outils ou quoi que ce soit. Hein. Ça se déboîte. Donc ensuite, il faut vous enlever la fiche. Pour enlever la fiche, c'est pas très facile à voir, mais il y a un petit tabou, une petite nappe appuyée, et hop, ça s'enlève. Donc il faut appuyer sur ça en gros. Parce que tu arrives à le voir. Voilà. Ensuite, on enlève. Donc ensuite, on vient déposer notre feu à l'intérieur du coffre. Ça nous fait un petit plan de travail. Et on va venir déboîter les petits ergots. Je crois qu'ils sont au total de 4 sur ce type de phare. Attention, parce que c'est assez fragile, en général c'est merde. Il faut faire attention parce qu'une particularité sur ce type de véhicule, il y a un circuit qui est carrément intégré au feu, c'est en fait les veilleuses, tout simplement. Donc une fois repéré le feu cramé, on va l'enlever tout simplement. Et on va venir réinstaller le mouvement. Et l'idéal, c'est d'éviter de le toucher. Donc on met un petit coton, un petit chiffon ou autre. Hop, on va l'installer. Donc on va clipser l'ensemble, tout simplement. On vérifie. Tout est bien clipsé. Il fait qu'il ne bouge pas. Donc voilà, maintenant je vérifie l'ampoule que je viens de changer. Je peux également, et je vous conseille de vérifier si vous n'avez pas d'autres ampoules qui soient cramées également.